Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. Jeudi 15 février 2024. Comment allez-vous les gars? J'ai pas mis ma petite casquette. 80 ans Normandie. Comment ça va les gars? JC, Bulma, Christophe, Xavier, Géo, Olivier, Didier, Sylvain, Pierre, Henri, Pascal, Martial, Papy Guil, Alain, Christophe, Wolf et mon ami Merlin. Yeah! Papy Guil, première question. Je regarde beaucoup en replay et je ne vois plus les commentaires. Y a-t-il une raison? Oui, il y a une raison, c'est qu'il faut attendre 48 heures avant que les commentaires du chat soient retranscrits par YouTube. Moi, j'y suis pour rien. Bon, si tu regardes le replay tout de suite, genre le soir même, eh ben, généralement, t'as pas le... faut attendre un petit peu. Salut, Jack! En forme, les gars. Il fait beau aujourd'hui à Paris. Incroyable. Il fait genre 13-14 degrés, le ciel est bleu, il y a du soleil. C'est agréable. Alors, je reviens du relais, là, colis. J'ai été retiré, j'ai enfin reçu tous mes colis, là. Salut, Ange. Christophe, ce sera plutôt replay pour moi. J'en cumule ces jours-ci. Ah bah ouais, tu peux pas regarder tous les jours, hein, surtout quand tu bosses. Hein. Ceux qui bossent pas, bah ouais, mais ceux qui bossent, on va passer tes après-midi au boulot à regarder les directs. C'est pas grave, on n'est pas obligé de regarder tous les directs non plus, hein, pour comprendre le truc. Alors un petit like les gars, hein, vous êtes 70 là, il n'y a que 16 likes. Salut Mowgli, salut Wolf. Ah Wolf, il m'a déjà dit bonjour, pardon, ah, pas qu'à Paris, lol. Bon, il fait bon aussi par chez toi. Tant mieux, ça fait du bien, hein.
Ça fait du bien. Je sais faire un tour à vélo ce matin, tout, je me suis régalé. Ok, merci. Oui, le soir, même en Bretagne, l'après-midi, je m'occupe des jeunes au club. Génial! Je bosse sur les pistes de ski. Bah écoute, trop chouette. Va faire du ski. Va faire du ski. Ok les gars, alors j'ai reçu de la part de mon ami Jacques Petit. Donc Jacques, si tu regardes la vidéo, ben voilà, j'ai bien reçu le colis, merci beaucoup. Donc voilà un petit cadeau de mon ami Jacques, c'est vraiment top, 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 top. Ok. Donc une petite figurine d'Emerald, figurine offerte par la revue Steel Master hors série Tankist US 1944. Donc ça, ça va être top. J'ai plein de trucs prévus là, de, tu vois, donc c'est vraiment génial quoi. Voilà, belle figurine en résine. Merci beaucoup Jack. Et puis voilà, le petit combo. Pardon. Il y a trois figurines là-dedans. Dans le char, c'est sûrement celle-ci que je vais utiliser. Et puis les autres, je les garderai pour mettre sur un véhicule ou autre. Top, 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 vraiment génial. Et ça, c'est Royal Model. Et puis aussi, voilà le Charman type 48. Les fameuses, là. En métal, Friul Model. Donc, ça, on va s'amuser parce que pour la construction, ça a l'air assez chaud patate. Tu vois, puisque ça va être en... Regarde. Tu vois ? Des petits maillons au milieu et puis des petits trucs de chaque côté. On va s'éclater. Alors, attends, qu'est-ce que c'est quoi ça? Ouais, d'accord, c'est ce qu'il y a habituellement dans le voilà. Tu vois? Insert pièce 1 into one pin, do not use glue. Ouais. Insert pièce 2. Donc c'est ça. Into all 3 and 4. Very important, glue only the square shape pin into all 4. Ah, il faut mettre de la colle juste sur celui-là, sur le dernier là. C'est ça? Pour avoir une chenille qui fonctionne, do not past the round pin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, sur chaque petit truc là, tu vois, t'en as un qui est carré et un qui est rond, ou enfin tu vois, puis le carré il rentre là-dedans, le rond il rentre dans le premier, le carré il rentre dans le deuxième. Donc, do not past the round pin. Faut pas mettre de colle sur le truc rond quoi. Salut Jean-Pierre, salut Fred. Ouais, celle-là on va s'amuser les gars. Donc il y en a pour une après-midi ou deux. Hein. Et ça, vous allez en manger avec moi. Il n'y a aucune raison que je fasse ça tout seul. Là, regarde, tous les pins sont là. Oh là 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 là, Jésus, Marie-Joseph. Bon, on va faire ça bien comme il faut. On va peut-être se faire un petit jig en plastique là, pour nous aider. Voilà, comme ça montrera aux débutants aussi que quelquefois, monter les friules, quelquefois c'est simple et quelquefois ça démange. Ok. Et puis la patience, voilà. Maîtriser la patience. Alright, donc ça pour le Charman, on réattaquera, on refera une séance sur le Charman très prochainement, et bien entendu, on fera les chenilles friules, et puis le canon en métal que j'ai reçu là, on mettra tout ça en place. Et là, j'ai reçu aussi de la part de Patience 132 qui m'a envoyé ça, j'ai commandé lundi. Voilà. Une fois cool, 190-6. Wolf, oui, pour laisser les chenilles mobiles, il faut coller que le 4. Bon, ben, on va tester ça. Faire attention de tout au long... Alain me dit, bonne chance Didier avec ses chenilles, je les ai montées 8, ça a mis 8 heures. Attention de bien contrôler tout le long du montage que les maillons ne sont pas collés. Yes. Salut Emmanuel. Voilà, donc le Focus 190.
de chez Border Model au 1/35. Alors, on va devoir charcuter un peu. Je vais vous montrer quelques photos là, pour que vous allez, pour que puissiez comprendre après le process. Alors, il faut savoir que là-dedans, il y a un moteur plutôt complet, et puis les deux MG au-dessus du moteur plutôt complet. Donc, on va laisser, comme c'est un appareil qui est censé avoir été trouvé, enfin, tu vois, puis on veut le rapatrier en Angleterre, donc on le pose sur le camion. Il n'y aura pas l'étole autour du moteur pour que le moteur soit apparent, quoi, pour qu'on puisse voir un peu, tu vois. Ça va être le plus long direct. Il dit, ah ben non, je vais pas tout faire en une fois, vous allez en manger deux fois, les gars, je vous le dis. Je vais vous montrer quelques photos. Alors, je prépare. Ça, c'est mon ami Eric qui m'a envoyé ça, donc ça, c'est top. Parce que j'avais prévu une séance pour justement chercher les... On va couper ici, on va aller dans projet M26, je mets en route les photos. Ouais, alors j'appuie sur le bouton photo, normalement ça devrait se faire tout seul. Ouais, sauf que c'est pas... peut-être comme ça c'est mieux. Bon, voilà, ça c'est un Focus 190 qui est... comment il était pour le transport, comment on enlève les ailes, tu vois. Tu vois, les ailes, c'est tout le truc en dessous qui part. Je sais pas sur... Tu vois les ailes, comment elles sont transportées? Voilà. Alors, regardez cette pièce. Là, en photo. OK. Et puis, regardez. Voilà, cette pièce-là. Voilà. Ça veut dire qu'on va devoir couper ici, là. Voilà. Clac, clac, clac. Ça, le coller sur le fuselage, et ça, avec les trains, dans les ailes, et le mettre à part. Tu vois ? Salut Christian ! Salut Jackie ! Voilà, tu vois ? Ça, c'est l'autre côté, tu vois ? Et l'appareil, lui, il va être posé comme ça, tu vois, des cales en bois sur le camion. Tu vois, alors, on va pas mettre les capots moteurs, tout ça, là, pour qu'on puisse voir, justement, le boulot. On les posera peut-être à côté, ou enfin, on trouvera un truc. Tu vois. Là, c'est des ailes, les hélices, normalement, sont pas transportables. Là, il y a la casserole, il y a la base des hélices, quoi, tu vois, mais les hélices sont cassées. On voit les morceaux de bois, là. Okay. Nous, on mettra juste le pignon et on posera l'hélice à côté. Donc, il va falloir faire attention que ça ressemble à peu près à ça, avec une partie ici qui est en peinture, évidemment. Que c'est là que le bloc L se place, quoi. Voilà, tu vois. Alors, après, j'ai trouvé aussi... Alors, est-ce que je les ai encore? Attendez, je vais regarder. J'ai trouvé ça là-dessus sur un PDF. Alors, ça, c'est... Attendez. Je prépare le truc. Regarde, yes. Voilà. Comment vous faire voir ça? Laissez-moi trouver le truc. Opus. Ouais, voilà. Tu vois? Ça, c'est un truc de manuel originel. Enfin, tu vois, 1943 pour le Focke-Wulf 190 A5 A6. Alors, je parle pas l'allemand, hein, je vais pas pouvoir vous traduire, mais on voit des photos pour le transport, pour la mise, tu vois, pour enlever les trains, tout ça. Voilà les ailes, comment elles sont, tu vois. Et puis, on voit là, un moment, à la fin, bah, tu vois comment l'hélice est transportée avec la casserole, par exemple. Tu vois, c'est une petite caisse comme ça, en bois, là, triangulaire. Tu vois. Voilà. Comment sur un wagon, là, tu vois, là, c'est pas sur un wagon de train, là, tu vois, on voit les... Tu vois comment c'est transporté. Tu as le corps du Focke-Wulf qui est là, l'aile qui est là tout le long, l'hélice qui est ici. Voilà, puis différents éléments ici, peut-être d'autres trucs dans des caisses, là. Tu vois, donc ça, on va pouvoir le reproduire sur la remorque de notre camion. Salut, Cédric, tu vas bien? Salut, Gérard. Christian, comment tu vas? Voilà, tu vois, alors, il y a différentes petites choses, tu vois, là, il y a la petite roue, là, il y a des cordages. Alors là, il y a une base de train, faut que je regarde, c'est pas le train, hein. C'est un truc.
trucs en métal, on verra comment on va ranger ça. Et les ailes sont stockées comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Dans un cadre comme ça, tu vois, bois, métal. Donc ça, on va le voir comme ça, tu vois, on va le faire en scratch. Hein. Ça doit pas être bien compliqué. Tu vois. Ça, c'est quand il n'y a que la base, mais pas le moteur, tu vois. Voilà, j'ai bien fait de trouver ça, c'est nickel ça. On va pouvoir faire un truc assez sympa. Pour pas l'heure, j'ai des photos d'usine du Nice au montage, je mets ça sur Discord. Yes, si c'est. Ouais, si on voit à peu près pour le transport tout ça, voilà, ça peut être intéressant. Ok, donc voilà. Donc on va regarder à peu près la gravure, tout ça, comment c'est, tu vois. Mais ça aussi, ça va être assez sympa à monter. Salut Julien, tu vas bien? Donc, tu vois, voilà, la gravure est quand même top. Hein. Ça va être sympa de monter ça. C'est la première fois que je monte un Focke-Wulf aussi gros. Hein. D'habitude, je monte les Focke-Wulf de chez Edward, là, ou au Tamiya, ou un 48e. J'en ai jamais monté un au 32, a fortiori, au 35. Tu vois, la gravure est chouette, quand même. Hein. Ça va être très sympa à faire, ça. Puis là, on va le découper, on va le découper comme ça, tu vois, là. Clac, 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 clac. On va essayer d'y aller très, très, très finement, tout doucement, tu vois, pour pas perdre trop de matière. Salut Julien, tu vas bien, t'as la forme? Et puis le cœur, eh ben, c'est la même truc. Hein. La gravure est super fine. On voit rien du tout, bah oui, bien sûr. Ouais, enfin, je ne veux pas tout dégrapper. Et il y a le. On va regarder la notice. Voilà, tu vois, il y a le moteur complet là. Les décales, on va essayer de choisir une version 44. Quelque chose, hein. Il y a un peu de PE, très bien. Oh, ça va Didier, t'arrives plus à savoir où c'est la marche avant, la marche arrière. Salut Jean-Luc, replay pour toi, ok, bon courage à toi. Je vois des ailes, oui c'est la boîte du Focke-Wulf qu'on a reçu au 35e là. Donc voilà toutes les grappes résumées ici. Donc vous voyez, une grappe moteur là. Voilà, tu vois, l'étape 1, c'est le montage complet du moteur qui est déjà, enfin, tu vois, sans aucun rajout, qui est déjà pas mal. Hein. Ensuite, les MG. Voilà, c'est là qu'on va couper, puis qu'on va commencer à calculer, etc. Tu vois, tu as même deux pour qu'on voit les armements là. Alors peut-être que dans les ailes, on pourra peut-être faire quelque chose pour que ça se voit tout ça. Pour quelques petits trous à percer, ok. Ah oui, Xavier, oui, large. Ah oui, oui. Oui, elle est énorme, là. Alors, je vais te montrer juste par rapport au fuselage. Hein. Même les ailes, c'est ce qu'il y a de plus long. Ok, le fuselage, il est beaucoup plus court. Donc, tu vois, là, tu as le camion, là. Et encore, hein, il manque un petit peu ici. Enfin, bref, peu importe, disons que c'est la longueur du camion. Ok. Et là, je te sors les ailes. Tu vois? Voilà, tu vois? Donc on va les faire dépasser légèrement, tu vois, un peu à l'arrière, dans un coffrage comme ça. Tu vois, c'est... Oups, pardon. Voilà. Et le corps, lui, le fuselage, il est un peu plus court encore. Hein. Tu vois? Donc tant que les ailes rentrent, tu vois? Donc ce que je vais faire, c'est que suivant comment je présente les camions, généralement avec la cabine ici, pas la cabine ici, tu vois, le tracteur... Voilà, je vais mettre ça au fond, tu vois, debout, dans le coffrage qu'on va faire, tu vois, plutôt dans ce sens-là, tu vois, et puis le cœur de l'appareil ici, l'hélice posée ici, là, machin, tout ça, dans son petit coffrage, ça devrait le faire, quoi.
Bon, ben alors c'est fait. On va aller jeter un coup d'œil tout de suite si tu veux bien. Ah, génial, merci. Alors, ouais, ça je l'ai, ok. Ok. Top. Ouais, ça c'est surtout pour l'assemblage, hein. Pour le démontage, tu vois, il n'y a pas. Voilà, c'est la chaîne de où on assemble les moteurs au truc. Tu vois? Ok, ok. Merci pour Popola, mais je les ai ces photos-là. Yes. Yes. Oh, celle-ci, pas mal, hein. Voilà, tu vois que tout le bloc, il s'est... elle est partie, là, tu vois. Top, top. Merci, Propeller, c'est très sympa. Voilà, donc découpe de... hein, et puis voilà. Alors, le poste de pilotage qu'on commence à l'étape 6, c'est étonnant, hein, à chaque fois, dans tous les notices, généralement, c'est le... première étape, on commence le cockpit. Là, on commence à l'étape 6 de la PE pour le siège, pour les harnais. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, il va falloir mettre la roue à l'arrière, mais il va falloir percer le trou qui est juste là, le trou de... et passer une barre au travers. Les hélices. Right. Ah, les hélices. L'hélice. Voilà. Et ça, c'est l'étape qu'on ne réalisera pas, quoi. On va coller ça sur ça, on va coller que cette partie-là, sur le dessous. Hein. Ok, et peut-être qu'il faudra un peu scratcher ou faire deux, trois petits trucs, mais normalement, vous avez vu, non, hein, sur le... c'est assez plat, c'est assez... il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ok, ok, mise en place du moteur, ouais, tu vois, on laissera un peu comme ça, quoi. Ouais, puis les plaques, on les empilera à côté pour qu'on voit au moins le moteur, quoi. Même la peinture, on va essayer de faire un truc destroy, quoi, tu vois. Un avion qui était entreposé ou qui était, enfin, tu vois. Ok, bon, ça c'est les stencils. Et ça c'est quoi, là, 1943, été 1943. George Scott. Right. Là. France 43 aussi. À Lille. Oh bah c'est un Focke-Wulf-Ski, attends. Salut David. Ça c'est en mai 44 en Allemagne. Bon, ok. Et le dernier, il y en a un dernier ou pas? Deux derniers. Celui-là, janvier 44. Celui-là, juillet 44. Ah. Ouais, bon, je crois que c'est peu. Pas très. Celui-là, late 44. Bon, ils disent pas quand, mais ça peut le faire, celui-là. Parce que je voudrais qu'il y ait quand même un peu de couleur. Toi, là, il y a du vert, il y a machin, la casserole en dessous, c'est jaune. Les boudelles sont pas jaunes, là, non. J'aimerais qu'il y ait un peu de couleur, quand même. Même si on met que des restes. Enfin, que du shipping, mais... on voit un peu de jaune, qu'on voit un peu... Bon, on aura le temps de choisir d'ici là. Mais ça a l'air d'être un kit assez sympathique, quoi. Surtout pour ce qu'on va en faire, là. Tu vois, un Focke-Wulf transporté. Ce serait un appareil capturé, tu pourras même lui mettre des étoiles mécaniques. Non, Propeller, parce qu'il faisait pas ça, il le faisait après, ça. Là, il vient juste d'être découvert, on le transporte, on le ramène en Angleterre. Peut-être qu'il y a sûrement une révision qui est faite, on essaie de comprendre le système, on en a... Après, on le fait voler, et puis si on le fait voler un peu plus, on ajoute des étoiles américaines. Mais pas là, dans le camion, tu vois. Dès qu'on le charge sur le camion, on y met une étoile américaine, ça se passe pas comme ça. Enfin, je pense pas, en tout cas. C'est la logique, non? Bon, bah, on va maqueter quand même, les gars. On va faire, on va finir ce qu'on avait fait hier, là. Et puis on va garnir la cabine. Alors regardez, j'ai tout... Hier on avait tout rangé comme ça, donc c'est nickel. Hop, 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 hop. Vous voyez? Hop.
Et puis là, on a devant. Hop, la boîte avec la notice. Voilà, on est prêt à maqueter. Elle est pas belle, la vie ? Il y avait, hein, mais c'est quand on le faisait voler après, tu vois. Par plein, imaginons qu'il reparte en Angleterre et qu'il refasse voler pour X ou Y raison. S'il vole beaucoup et puis dans les espaces aériens, machin, bah on lui met une étoile américaine. Mais sinon, on y est tombé, c'est pas la peine. Salut Didier, tu vas bien? Alors, j'ai collé la pièce en dessous, là, puis j'ai poncé les petites pastilles avant, évidemment, et puis j'ai collé la pièce. Voilà. Donc là, maintenant, on va habiller le tour, là. On a bientôt fini, hein. Tu vois, avant d'attaquer la peinture. Alors, la peinture, ça va être... Ah, je vous parle pour filmer, hein. Parce que j'ai mon truc de peinture, d'aération, là-bas au bout, à l'autre bout, là-bas. Tu vois? Ici, je suis devant mon écran d'ordinateur. J'ai mon écran, c'est mon poste informatique, ici. Donc, quand je colle pour monter, tout ça, il y a zéro problème. Vous voyez bien, depuis tous les directs que j'ai fait, là, il n'y a pas de problème. C'est même assez sympa, parce que j'ai toutes mes vérifications, tu vois, pendant le direct et tout, caméra, machin, tout est là, quoi. Donc, zéro problème. Mais par contre, pour la peinture, l'aéro, le compresseur, ça va être très compliqué, hein. Voilà, toutes les petites pièces là. Donc je vais voir comment je peux faire ça. Salut Yannick, la forme? Salut Roland. Je vais remettre un peu plus de lumière parce que j'ai dû baisser la dernière fois. Control Center. Normalement, il va trouver les deux. J'ai deux Elgato Light, yes. Bah, tu vois, je suis juste là. On va monter un tout petit peu. On va mettre à comme ça. Voilà. Ok. Zou. Plein de choses sur le tapis. Ouais, on va continuer ça tranquillement. Hein. Alors ça, on l'avait fini, ça, hier. C'était fait. C'est bon. Que je vérifie, j'ai coché tous les numéros, yes, 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 yes. Donc ça, c'est bon. C'est ce qui va arriver là, derrière, dans la cabine. Hein, comme ça. Ok. Voilà, là, maintenant, je crois qu'on va habiller l'intérieur de la cabine. Et là, il y a plusieurs pièces à coller pour pas non plus des tonnes. Hein. On va commencer tout doucement. Et casier à munitions pour la 12-7. Un de chaque côté. Non, il n'y en a qu'un. Ah, dans l'autre côté aussi. H29. Ok, on ressort les grappes. C'est parti pour un tour. Roule ma poule. Salut André. Ça sent la fin de semaine. Jeudi, ouais, encore demain. Et puis, ça sera le week-end, yes. Alors, ici, j'ai deux trucs. Alors j'ai une espèce d'arme, mais ça me plaît pas beaucoup, ça. Je suis pas obligé de la mettre. C'est la pièce L9. Tu vois, c'est une espèce de une arme qui est une Thompson qui est rangée dans un truc en tissu, une espèce de petite sacoche, quoi. Mais je trouve que c'est pas... Puis on va pas la voir, encore une fois, elle est dans un coin qui est vraiment reculé. Je pense que je vais pas la mettre. Je vais mettre les casiers pour la 12-7, évidemment. Ils sont ici. C'est un système Elgato. Oui, c'est ça, c'est un système Elgato. Alors j'ai ça en Elgato et puis j'ai le système pour brancher la webcam, ma caméra 4K. C'est une espèce, ça ressemble à une clé USB, mais c'est un peu plus gros qu'une clé USB. Et tu rentres le port HDMI d'un côté de la caméra. De l'autre côté, il y a un câble USB que je branche sur l'ordinateur. Et ça transcrit automatiquement le truc.
Alors, et ça, c'est H44. En fait, ça se répète de chaque côté, c'est identique. Il y a un petit truc comme ça, là, en mousse, en cuir ou en je sais pas quoi, et la caisse à munitions, et c'est pareil à droite et à gauche. Moi, j'ai pris mon vendredi 10 juillet, rien de prévu, mais j'ai besoin de me reposer. Ah bah oui, ça sera un week-end de 3 jours. Voili, voilou. Alors, je regarde s'il n'y a bien que celle-là. Alors, H29, H44, KBS. Tac, 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 29, L9. Ouais, ça, je ne le mets pas, le L9. H29. Et voilà, ouais, c'est fini, il n'y a que ça à mettre. Ok, très bien, c'est parfait. On prépare les pièces, puis on va coller ça ensemble. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est pas des loupes, c'est une casquette d'Yé. Réfléchis un peu. Beaucoup de streamers utilisent Elgato. Oui, c'est pas mal du tout, c'est un peu cher. Là, j'ai deux lampes Elgato, ça m'a coûté 180 € pièce. Alors, ça fonctionne bien, t'as vu, on peut le régler sur le téléphone, ça t'a dit, hein. C'est assez costaud comme produit, hein. Tu sens que c'est de la ferraille et tout, hein. C'est pas, y a rien en plastoc là-dedans. Ça va durer longtemps, mais il y a des lights sur Amazon ou ailleurs à 90-100 €, Donc il y a plein de streamers aussi qui se sont un peu... Parce que c'est un peu cher, Elgato, c'est ça le problème. Par contre, ce qu'ils ont fait, qui est carrément indispensable pour un streamer ou pour des joueurs, c'est le Stream Deck. Ça, mon Stream Deck... Vous connaissez le système Stream Deck, non? Non, attendez, je vous le dis. Oh, je le sors, il est là, voilà. Est-ce qu'il va arriver jusque-là? Ouais, voilà. Mon Stream Deck, il est là. Hop, voilà haut, là. Tu vois, c'est un truc à touche que tu branches USB. Alors tu peux tout régler. Hein. Tu vois là, c'est par exemple, si j'appuie là, ma tranche, elle va disparaître. Hop. Hop. Tu vois, quand tu streams, c'est vachement bien. Là, je coupe le son. Là, quand je vais faire une coupure, là, je reviens sur l'atelier, j'ai cliqué sur l'atelier. Tu vois, c'est en rouge parce que ça veut dire que c'est le truc qui est en... Tu vois? Là, quand j'appuie là, ça fait... Tu sais quand il y a un nouveau souscripteur là. Petite nana qui danse, ouais, voilà. Là, sur Discord, là, les photos, là, le web. Là, c'est pour enregistrer, mais sur le disque dur. Tu vois, et tu peux faire un tas de revenir en arrière. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux là-dessus. Tu vois, et chaque petit bouton, c'est un écran, en fait. Tu vois, c'est un écran individuel. Alors, toi-même, sur Photoshop ou autre, tu fais tes petites vignettes, ou tu trouves sur Internet, il y a plein de trucs. Hein, tu vois, là, j'ai un dossier OBS. Donc là, on voit pas mes... J'ai aussi un dossier pour... alors là, je peux pas y accéder parce que il faut que je joue, mais quand je joue à Euro Truck Simulator, l'appareil le détecte, et tout ça, ça devient un tableau de bord pour mon camion. Tu vois, clignotant à droite, à gauche, décharger la cave, enfin, tu vois. Des boutons partout, quoi. Tu vois, tu peux le faire aussi avec Microsoft Flight Simulator, avec plein de jeux. Tu peux le faire aussi avec des logiciels, hein, tu vois, des raccourcis, par exemple. C'était RLC, bah tu peux faire un bouton là, c'était RLC, à chaque fois que tu appuies dessus, ça copie. Un autre à côté, collé, etc., etc., etc. Tu vois, et il y a des systèmes de navigation d'écran, tu peux ça, enfin bref, c'est vraiment un truc, ça, indispensable. Moi, je pourrais plus m'en passer le Stream Deck, là. Hop. Donc là, je le remets sur ce petit support, et je le remets en place devant mon écran. Donc ça, pour les streamers, c'est génial, mais pour les joueurs, c'est top. Moi, quand je vois Flight Euro Truck Simulator, là, ça m'a wow, ça me dépanne vachement. Plutôt que retenir tous les raccourcis, tu vois. Un bouton par nanaba, mais on en a qu'une, hein, sur... On en a qu'une sur... Donc c'est vite fait, hein. Non, mais tu sais, il y a des tas de jeux où tu as des tas de raccourcis, quoi. Pour les retenir, tous ces raccourcis-là. Et ben là, tu les mets sur un petit écran individuel, là, avec une petite explication ou un nom bien explicite, tu vois. Alors,
Après, tu indiques au tableau que c'est avec tel jeu. Donc, dès que tu démarres le jeu, le Stream Deck charge le truc. Et là, tu n'as plus qu'à appuyer sur un seul bouton. Surtout, des fois, toi, Flight Simulator, des fois, tu as des raccourcis. CTRL, Alt, plus quelque chose. Voilà, tu as juste un bouton, clang. C'est vraiment top, 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 quoi. Puis, quand tu joues dans la nuit, le soir ou le matin, tu vois, quand c'est la pièce est sombre, comme c'est des petits écrans, tu vois vachement bien. C'est hyper immersif. Hein, c'est vraiment top. Et ça, il n'y a que qui fabrique ça, Stream Deck, et c'est un des premiers articles d'Elgato. Et ça marche vraiment, vraiment très bien. Ah Yannick, t'as eu le... Ouais, 72e. Ah oui, la peinture, t'amuses pas à chercher à faire le blanc des yeux, hein. Sympa, hein, ça va être cool ça. Bon, allez, on va coller ça. Alors, je regarde dans quel sens ça se colle, ça, le caissier à munitions, là. Donc, c'est ça, comme ça. All right. Donc, on a un ici, tu vois. Alors, ça aussi, dans le set Voyager de notre ami Thomas. Alors, attends, je vais pas ouvrir ma colle. Il y a tout le casier là qui est refait en PE et tout. Voilà. Et puis à côté, il y a c'est le dossier ou je sais pas quoi, tu vois. Ce matin, ils sont venus changer les compteurs d'eau là. Je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps. Ouais, tu parles, ils ont fait ça en même pas une heure, c'était fait quoi. Tous les compteurs d'eau, enfin eau froide, eau chaude. Voilà. De toute façon, il y a des détrompeurs. Hein. Vous voyez, j'ai chargé sur les notices, mais il y a des petits détrompeurs, donc vous ne pouvez pas les mettre à l'envers. Hein. Donc voilà, là on a fait le tour de l'étape 14. Et là, normalement, c'est là qu'on commence à peindre tout le bazar, enfin l'intérieur en tout cas. Donc c'est-à-dire toute cette partie-là. Pardon. Toute cette partie-là. OK. Et toute cette partie, bah, toute cette partie-là. OK. Parce qu'après, on pose. Hop, 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 voilà. Alors. Après, on commence à travailler sur l'extérieur. Vous voyez. Une fois que tout est assemblé, je me demande. Il y a quand même pas mal de choses à coller sur la cabine extérieure. Hein. Énormément de choses. Hein. Je regarde jusqu'à où ça va, hein, pour m'avoir une espèce d'idée de la chose, comment je vais procéder. Oui, j'ai envie de peindre que l'intérieur, quoi, et ça, le peindre après. Hein. En même temps que l'extérieur, tu vois. Donc, je vais peindre jusqu'à ici, quoi, vraiment, le, tu vois, ça, je vais pas le peindre, hein, ça. Ça, je le peindrai, tu vois. Ouais. Donc, le truc, ça va être de peindre ça, ça et ça, de faire un léger watering, tu vois, un jus, voilà, marquer un peu, mettre des petits accessoires, des petites choses comme ça. Coller les vitres. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. Attendre que ça soit bien collé en les tenant ici comme ça, les masquer. Tac, tac, tac. Masquer comme ça à l'extérieur, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Une fois que c'est fait, hop, on peut assembler ça à papa d'un moment. Tu vois. Et après, finir le montage. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à coller à l'extérieur. Là. Et après, je fais la peinture du tout. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
sur les jeux d'exploration spatiale, ça doit être top. Ah oui, moi quand je joue à Stellaris, waouh. Tu joues mieux en fait. Tu joues mieux parce que tu vois, comme tu as pu toucher une dizaine de raccourcis à te rappeler, ou à passer du temps à chercher, tu vois, putain, mais c'est quoi pour faire, tu vois. Donc tu joues plus vite et tu joues mieux. Gérald, j'ai essayé la peinture AK, je la trouve plus mate que la Valero. Ah yes? Si ça se goupille comme je veux, X22 sur le Dakota ce week-end. Ah bah tu vois, ça avance, c'est nickel. Donc là, comment je fais? Je sais pas. La peinture, le machin, ça me... En direct, ça va être compliqué. Est-ce que je ferai pas mes séances de peinture en vidéo classique, tu vois? Pour ça, là-bas, je peux filmer un peu, mais pas en direct, parce que j'ai pas les câbles, enfin, tu vois. J'enregistre, tu vois, voilà, ma voix derrière, deux, trois trucs, et puis... Parce que là, ça va être galère, et puis je risque de mettre de la peinture par pulvérisation, pardon, sur l'écran, sur mon stream deck, sur mon bureau. Ça va être un peu galère, quand même. Peut-être que tout ce qui est peinture, je peux le faire en vidéo classique. Bon, on va poncer, je vais faire les roues là, quand même. On va faire les roues tout doucement. Ok, donc ça, je le pose là devant. Ça, c'est ready for the paint job. Et puis, j'aurai aussi, il faut que j'attende, ouais, de coller les deux, les jerrycans là, que va m'apporter mon ami Floppy et puis Quentin ce week-end là. je regarde jusqu'à où ça va le camion, si on pourrait après peut-être commencer à monter la remorque, donc on y est, hein. Est-ce qu'on fait du montage, elle est belle aussi la remorque, hein. Ok, allez, on va faire les pneus en une fois, comme ça c'est tout ce qu'il faut nettoyer après parce que c'est un peu galère. Ouais, tu vois, puis je peux ajouter plus de trucs, je peux ajouter des... Tu sais, quand je fais des mélanges, tout ça, je peux, tu vois. Puis c'est plus regardable, quoi, parce que tu vois, la vidéo, elle va durer 15-20 minutes. Alors que les directs peinture, c'est 3 heures, quoi. Donc ça sera peut-être aussi plus pratique. Voilà, les gars, je suis arrivé à, sur ma chaîne YouTube, à 7 millions de vues. 7 millions de vues. Imaginez, 7 millions de vues. C'est un truc de fou. Voilà, je prépare mon petit aspirateur parce que je vais en avoir besoin. Alors, l'aspirateur est là. Alors, il y en a quand même un petit paquet, hein. Voilà. Ça c'est pour leur donner un aspect un peu usé. Pour faire voir que le camion a déjà un peu roulé, quoi. Oui, parce que je comprends, tu vois, les vidéos, les directs, c'est long quand même, hein. 3 heures et demie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de tout regarder, tout voir. Il y a très peu de gens qui voient tous les directs et du début à la fin. Très, 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 très peu. Hein. Beaucoup naviguent, regardent 5 minutes, 10 minutes, bon. Tu vois, passe faire un petit coucou.
Mais c'est normal, hein, c'est pas une critique hein, que je fais là. C'est normal, les gens travaillent, attends, tu peux pas, tu vois. Tu vas bientôt avoir un trophée YouTube. Non, je suis pas prêt d'avoir un trophée YouTube. Le seul trophée YouTube, c'est pas au nombre de vues, c'est au nombre d'abonnés, c'est 100 000. Donc j'arriverai jamais à 100 000, hein, je vous le dis tout de suite. Pas possible. Donc j'aurai jamais de trophée. 7 millions de vues, tu veux la fille? Bah vas-y, tiens, regarde. Attends, on se prépare. Pour faire plaisir à Wolf. Christophe, tu dois commencer à pouvoir en vivre. Alors, très honnêtement, 7 millions de vues avec 26 700 abonnés côté publicité, c'est à peu près 270 euros par mois. Donc c'est bien, c'est un gros morceau de beurre dans l'épinard. Après, mon deuxième morceau de beurre, c'est la souscription. Et là, j'en suis à presque 500 balles. Donc en tout, ça fait 5, 6, 7, ça me fait, disons, 800 balles par mois. Tu vois, donc c'est un gros bout de beurre. Et comme je suis à mi-temps, enfin à mi-temps, je suis payé 50%, tu vois, ça m'aide quand même pas mal. Hein. Tu vois, mais c'est pas des millions non plus. Quoi, tu vois, voilà. J'économise, enfin je fais gaffe quand même à mes thunes, quoi, tu vois, parce que j'habite Paris. J'ai 800 balles de loyer. Donc tu vois, c'est pas non plus. Mais ça m'aide énormément. Si j'avais pas eu ça, mais même pas comment j'aurais fait. Hein. Là, YouTube, ça me permet de payer mon loyer, quoi, de pas avoir de problème. Après, bon, je pars pas en vacances, je bouge pas au resto, je fais gaffe pour le reste parce que j'ai pas beaucoup de thunes. Mais si j'avais pas eu YouTube et surtout vous, les souscripteurs, là, bah, pff, oh là là, galère, je te raconte pas. Tu fais ça en une vidéo, tu peux arrêter de bosser, Chris. De retour des cours, je vais pouvoir tester ma machine CNC. Yeah. Bon complément de retraite pour le futur. Oui, si jamais ça reste à ce. Parce que c'est tout au nombre de vues, hein, les pépettes. Hein, pour la pub. Et après, les souscriptions, ben, ça dure jusqu'à temps que les gens resteront souscripteurs. Donc si un jour je ne peux plus faire des vidéos parce que je tremble, je bafouille, parce que j'ai une opération aux yeux, parce que je suis trop âgé, eh ben, il n'y aura plus de souscripteurs. Hein. Donc j'aurai que la pub, et si je ne mets pas de nouvelles vidéos, ben, les 280 vont se transformer très vite en 200 et en 150. Mais c'est déjà très bien, si j'ai 100 balles jusqu'à la fin de mes jours, grâce à mes vidéos en plus, tu vois, c'est parfait, ça va. Pas non plus, je suis pas un gourmand. Hein. Salut Fred, ça va? Je me bats contre des étagères pour l'aménagement de mon atelier. Ah ouais, ben ça, les étagères. Et surtout bien gaffe que ça soit bien droit. Un bon niveau, et puis hop. Voilà, la maquette, c'est ça aussi, des fois. C'est des gestes répétitifs pendant longtemps, comme ça. Peu intéressant, évidemment. Mais il faut le faire, quoi. Si vous voulez donner un aspect, ça c'est les roues et du camion et de la remorque. Il faut que ça ait un aspect comme si ça avait déjà roulé, quoi. Et pas tout neuf sorti de l'usine. En plus des maquettes gratuites, ça va, t'es bien mobilier. Oui, Matt, oui, ça aussi, ça m'a aidé, bien entendu. Bien sûr. Bien sûr. Si j'avais pas ça, franchement, bah, bon, je ferais de la maquette. Hein. Enfin, j'en ai toujours fait. Mais des petites maquettes, Edouard, tu vois, là, 25 balles, 30 balles, le week-end édition, on peut, même si on n'a pas énormément de thunes, on peut. Tu vois. Bien sûr que ça m'a aidé, c'est évident. C'est évident. Tous les futurs maquettistes sont des vues potentielles. Oui, Yannick, bah oui, oui. Oh, il y a encore des gens qui découvrent. Hein. Je reçois des mails, moi, de personnes qui viennent de découvrir la chaîne, là, tu vois. Donc,
ils ont encore plein de trucs à visionner et tout. La vidéo la plus vue, c'est la première vidéo que j'ai fait sur le formation à l'aréographe, là, tu sais. J'explique pour le mélange, tu sais, sur une feuille, il faut faire des traits, des machins, des signes. Celle-là, elle a plus de 100, 130 000 vues, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, André, c'est ça le problème avec les directs. C'est assez avantageux pour moi, parce que tu vois, là, je à 14h30, je dis, allez, je fais un direct, j'ai reçu les colis, là, je vais leur montrer tout ça, puis on va penser un peu, enfin, on va préparer tout ça un peu. Et ben, la mise en place, c'est 10 minutes, quoi. Et puis très vite, je suis avec vous et on discute, et puis là, on échange en direct, quand même. Tu peux me poser une question, André, je te réponds tout de suite. Ou si je peux pas répondre parce que j'ai pas la réponse, parce que je suis pas un gourou 100% infaillible, tu as toujours quelqu'un dans le chat, tu vois, qui va trouver un truc. Alors que quand ça c'est le côté sympa du direct. Alors que dans les vidéos classiques, bah c'est voilà, il y a moins d'interaction, quoi, c'est évident. L'avantage par contre, c'est que bah oui. Là, tu vois tout ce qu'on a fait en 5, c'est la 5e vidéo aujourd'hui. Hein. Si je l'avais fait en vidéo classique, j'aurais sorti une vidéo avec le montage du tracteur, une vidéo de 25-30 minutes. Quoi. Tu vois, alors que là, ça va faire 6 vidéos de 4 heures, quoi. Ça fait 24 heures de vidéo. Ça m'étonnerait que quelqu'un regarde. C'est l'inconvénient, quoi. Et en même temps, avec des directs comme ça, tu vois, on crée un lien quand même qui est plus important que quand on fait. Peut-être faire un mix des deux. Bon, écoute, on va voir avec les. Peut-être tu dis que les montages en vidéo et les peintures. Enfin, en direct, et puis les peintures, la mise en peinture dans des vidéos plus classiques. Jacques, bonjour Didier Berducoli. Oui, je l'ai dit au début du direct, Jacques. J'ai même montré au gars la chenille et tout ça, les chenilles Friul Model et puis les figurines. Merci beaucoup, Jacques, c'est vraiment chouette. Tout est arrivé bien emballé et bien protégé, et sans aucun souci. Moi, celle qui m'a fait venir sur ta chaîne, nous dit Yannick, c'est comment se remettre à la maquette. Ouais. Il faudrait que je refasse régulièrement ce type de vidéo, tu vois, parce qu'elle tombe dans l'oubli, et du coup, elle est plus proposée aux jeunes maquettistes qui la trouvent que quand ils tapent un terme vraiment spécifique, tu vois. Ouais, je la refasse, celle-là. Tu as remplacé les ateliers qui existaient à cette époque, c'est bien en plus. C'est bien en plus. Bien pédagogue à l'écoute. Je comprends pas. Ah, sur la perceuse? Ah ouais, mais là, pareil, tu vois, je suis à mon atelier de maquette, enfin de informatique. Alors, là-bas, j'ai ma machine qui est branchée. Et je ne peux pas faire les deux, j'ai pas les finances nécessaires. Parce que l'idéal, ça serait ça. Ça serait d'avoir un système ici, tu vois, avec caméra et tout ça, lumière. Quand je fais des trucs ou des revues de boîte, parce que j'ai la caméra, j'ai les écrans en face, c'est plus pratique. Et puis que j'ai exactement le même système là-bas. Avec juste un tout petit écran, un tout petit retour, là-bas, branché sur le même PC, un seul PC, d'accord. Mais il me faudrait un autre câble, un autre machin, une autre clé de gâteau, une autre caméra. Bon, j'ai, et puis des autres lumières surtout, et j'ai pas les finances pour. Mais ça va le faire, comme ça va être très bien. Et là, effectivement, si vous avez une petite, comment on appelle ça, là, petite machine rotative, hein, que ça soit Dremel ou... j'ai oublié le nom. Oh putain, les trous de mémoire, toi, ça commence, hein. Proxon, yes. Ça y est, ça revient, tu vois. Ben vous mettez ça auprès d'un petit support, vous le mettez autour de la proxon, ça tourne, vous mettez à tourner à petite vitesse, puis vous passez ça, et ça va beaucoup plus vite, évidemment. Tu vois ? Voilà, je vous montre à la main, quoi, façon artisanale. Matt, perso, avant j'étais hyperactif, et je sortais tout le temps, et la maquette m'a totalement changé, je suis beaucoup plus posé, je m'informe plus, etc. Ben, c'est génial, Matt. Moi, je préfère les directs, et là, il y a une interaction avec les copains, et te demander comment diluer les X22. ouais, c'est vrai, il y a ce côté-là aussi.
Salut Patrick. Salut Philippe. Non mais peut-être que le succès, c'est ça, c'est un mélange des deux, quoi. On peut se faire des directs le week-end. On en fera toujours des directs de toute façon. Ouais, le week-end, et puis un dans la semaine, tu vois, et puis le reste après les. Comme là, la semaine prochaine, tu vois, je travaille sur la peinture, bah, il n'y aura pas de direct, parce que je vais filmer, tu vois, mais en échange, bah, il y aura une vidéo peinture de l'intérieur du tata, tu vois. Du tracteur Dragon Wagon. Oui, c'est ça, Anthony. Anthony nous dit, c'est vrai que ce n'est pas vraiment les caméras qui coûtent cher. Bon, ça coûte un petit billet quand même. Hein. Moi, la caméra, là, bon, celle que je suis en train de filmer, là, c'est une 4K, bah, qui m'a été offerte par vous tous, hein, les souscripteurs, les abonnés, etc. Et c'est une caméra qui coûte quand même 800 euros. Il faut quand même les mettre, les 800 balles. Hein. Voilà. Mais avant, je tournais avec ma caméra cassée, là, la Panasonic. Je l'avais payé 260. Bon, c'est pas du 4K, mais c'est du 1920 par 1080, ça faisait quand même... Toutes les vidéos quand on parle, là, je les avais filmées avec celle-là, hein, mes premières vidéos. Avec la Panasonic. Donc, c'est qu'il en faut une, il faut une webcam. Le mieux aussi, c'est d'avoir deux, parce que quand tu filmes des vidéos, il faut avoir deux points de vue, quoi. Tu vois, la caméra, filmer et un à droite et un au-dessus, comme ça, après, tu peux faire des essais. Montrer ce que tu veux, tu vois, c'est pas évident quand tu as toujours une seule caméra dans le même angle. Après, il faut les lumières. Et c'est ça le nerf de la guerre, hein, beaucoup de lumière. Et après, il faut un bon micro. Ça, c'est essentiel aussi. Et après, il faut un bon PC, parce qu'il faut que tout ça, tu vois, là, mon logiciel OBS, là, tu vois, mon ordinateur, il encrypte en même temps. Discord ouvert, j'ai la musique, là, tu vois, sur Epidemic Sound qui est lancée, j'ai un logiciel de surveillance qui surveille la connexion, et voilà, ça tourne plutôt bien. Moi, le gâteau, mon machin, bon. Puis après, les vidéos, il faut les monter quand on fait des vidéos classiques, et là aussi, il faut un PC, pour que ça envoie du bois quand même, hein. On ne peut pas faire ça sur un petit portable de 3, 4, 4, 4, 5 ou 6 ans, enfin, tu vois. Il faut mieux avoir un desktop, comme on dit, hein, c'est-à-dire un PC avec une tour, quoi, tu vois, un truc comme ça. Le X22, 50% X22, 50% de Tiner. Oui, oui, c'est ça à peu près. Hein. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui suis emmerdé avec le X22. Ben, je comprends pas que vous soyez emmerdé avec ça, les gars. C'est tout le... Salut Robert! Ça vient, il n'y en a plus que 150. C'est bon. Juste une question. Avec ton expérience, tu pourrais refaire une vidéo pour le nouveau sur le matériel, peinture, école, etc. à utiliser ouais. Quand tu trouves que celle que j'ai fait, c'était il y a longtemps déjà. Les produits sont plus valables, sont toujours valables. Hein. C'est les liens vers les achats que tu veux en dessous de la vidéo, c'est ça? Il me semble avoir fait 3 ou 4 des vidéos comme ça. Alors, t'as raison, on va essayer. Alors, faut que je trouve le truc par contre. Hein. Alors, il est où mon petit. Viens là, mon bilou. Viens. N'aie pas peur. Ne fais pas ton timide. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre au bout aussi? Hein? Qu'est-ce que je pourrais mettre au bout? Comme support. C'est ça le problème. J'ai une légère peau d'orange avec le X22, ça veut dire que tu es trop près. Pression trop forte. André, facile. Si vous êtes enquiquiné avec la dissolution du X22, n'en mettez pas. Ben voilà, papy Bill, tu vas pas avec
s'embête pas. La dernière fois avec le X-22, gros planche, quoi, gros splash, quoi, tu veux dire, c'est ça? Juste avant de terminer. Et ouais, ça c'est un rhéographe pas propre avec une petite poussière dedans qui a bouché, puis après avec la pression, ça se débouche d'un coup, et là, pouf, ça envoie un gros truc. Petite question, est-ce normal que sur les grappes ICM, il n'y a pas les numéros en rapport avec la notice? Je dois tout le temps tourner la page du plan de fond. Ouais, c'est peut-être des vieux kits, hein, des vieux trucs. Hein. Oui, mais pour certaines, tu prenais certaines peintures et après d'autres qui étaient meilleures. D'accord. Bah, je préfère mieux sur ce que je fais maintenant, ce que je fais toujours, quoi. La Tamiya. Et puis après, enfin, ce que je recommande pour les débutants, la Tamiya, et puis après, pour la main, le Valero ou AK3G. Use pas trop les pneus. Une jante et un bout de train dans le truc. Ouais, mais je vais niquer mes jantes, moi, si je fais ça, non? Parfait, bah, je vais regarder les jantes. Mais non, regarde, mes jantes, elles sont là. Comment veux-tu que je mette ça? Ah, tu veux dire que je mette un bout de grappe là-dedans et après, chaque truc, je fais comme ça? C'est ça? Et je mets un bout de grappe là-dedans? Ouais. Alors, attends. Là aussi, j'ai l'impression que ça va envoyer du bois. Mais il faut une jante arabe. Ah, si ça, ça va l'abîmer, la jante, tu crois? Ça risque d'abîmer la jante? Non. Ben non, ça va tourner, c'est tout. Mais putain, c'est encore la pub qui m'appelle. Mais ils sont chiants, mais... Oh, je vais les démonter leur gueule, ça. Allô? Allô? Oh mais va chier, con. Putain mais c'est pas vrai. J'ai pas parlé à une personne là, hein. C'est un robot. Hein. Soit clair, on va dire il est méchant, il a dit pauvre con à la dame. Et c'est des messages, c'est un robot quoi. J'oserais pas insulter quelqu'un qui fait ce métier-là, faut vivre aussi, hein. Faut manger, mais. Juste que c'est chiant, quoi. J'aime pas les pubs non sollicitées. Quoi. Tu vois, si je veux changer mes fenêtres, je vais me renseigner pour les fenêtres, je vais demander des infos, je vais aller au Leroy Merlin, je vais aller là, je vais... Ah bref. Mais qu'on me contacte 4 fois par jour pour savoir si je veux changer mes fenêtres, ça m'énerve. Alors, ouais, tu vois, regarde le pneu, c'est barré vite fait. Salut. Alors, on va essayer encore. Après, il faut pas que je le fasse tourner trop vite, hein, j'ai bien compris. Hein. Donc, on va le mettre juste à aller plus lentement possible. Ouais, tu vois, c'est impossible. Alors moi, en tout cas, chez moi, ça marche pas. Non, c'est toi, même ça s'abîme. Même ça, je le fais trop long, mais ça, je pourrais le couper, à la limite. Hein. Ouais, ici, pour que ça soit plus court, c'est normal que ça se soit tordu, bon, c'était trop long. Mais là, le pneu, il tient pas, il se barre. Ouais, il faudrait un truc plus gros que la jante, en fait. Tu vois, parce que là c'est, ça va pas, là. Voilà, tu vois, plus court. Tu vois,
s'en va, quoi. C'est juste que tu vas forcer pour rentrer la grappe dans le coffre. Non, t'as qu'à leur répondre que tu vis dans une cave, t'as pas de fenêtre, oui. Mais le problème, c'est que c'est jamais les mêmes, tu vois. Deux gros mots que YouTube n'a pas aimé. Oh, t'inquiète, je vous emmerde. Il me laisse tranquille en ce moment, ça va. Quand je vois toutes les âneries qu'il y a à côté, tous les gros mots, les trucs, les machins, les vidéos racistes, les autres qui se passent sur YouTube, là, les gonzesses qui se foutent à poil, les machins, attends, moi je peux dire merde de temps en temps, faut pas déconner. Non, faudrait que je trouve un truc plus... un tout petit peu plus épais que ça. Mais bon, là, je vais pas me mettre à chercher, parce que, évidemment, je vais y passer des heures, et puis vous avez autre chose à faire que de me voir. Donc, voilà. Article 22. À la main. Il faut prendre un visseuse. Bah, j'ai peur d'abîmer mes jantes, tu sais, c'est les jantes où j'ai fait les petits trucs qu'on a fait hier, le petit truc en photo découpe là. Tu sais, pour mettre le. J'ai trop peur d'abîmer mes jantes. Après, est-ce que j'ai pas une autre jante dans ma boîte à rabio? Un tout petit peu plus grand. Ma boîte à rabio, voilà. J'en ai pas des grosses, quoi. Non, j'ai pas. J'ai pas. Ok, Papy, qui est la plus ? Sur la foreuse, Tamiya. Ouais, mais après, il faut que j'appuie quand même avec mon truc, quoi. Puis la foreuse à pile, 50 trous, mes piles. Et puis non, puis j'aurais pas le bon. Comment ? Tu sais, au bout, là. Parce qu'il y a livré qu'un seul truc, hein, tu vois. Je sais pas si ça ira bien avec la grappe, quoi, tu vois. Tu vois, ça voudra dire qu'il faut que je... Je peux le tailler un peu, hein, mais... Bon, essayons avec ça quand même, hein. Ça me fait peur, mais essayons quand même. Je mettais le double plutôt. Ok. Alors, non, ça fonctionne pas. Terrible. Non.
fonctionne pas. Et en plus, bah dans 2 minutes, j'ai plus de piles. Bon, on aura essayé au moins. Hein, l'important, c'est d'essayer des trucs. Hein. Alors, mon voisin laissait parler les démarcheurs jusqu'au bout, il était d'accord sur tout, et quand on lui demandait sa date de naissance pour un crédit, c'était ça. 1929, les gars raccrochaient tout de suite. Oui, ça pourrait être drôle, ça, mais il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps devant soi. Faut te faire une jambe. Bah oui, Christophe. Il faut le faire. Se faire une jante en bois et puis un truc qui tombe moins vite. Et puis oui, il faut. Ouais. Il faut, il faut. Voilà, à l'américaine. À l'ancienne. Ça va le faire. De toute façon, il y a la moitié d'entre vous qui ne me regardent pas. Qui m'écoutent. Donc voilà, je suis en train de faire ça ou. Tu vois. C'est pareil. Salut Arnaud, comment tu vas? Est-ce qu'il y a des montages que vous avez vus récemment sur YouTube et qui vous ont plu, qui vous auront marqué? Salut Claude. Je parle pas de mes vidéos, hein, je parle d'autres chaînes YouTube en maquette. Moi je regarde, oh, t'es le meilleur ballon. Ma femme se fait passer pour une administration genre centre d'aide sociale et hop, il ne sonne plus. Hein, faudrait que je dise ça, tu crois qu'il mettrait mon numéro dans une espèce de blacklist, c'est pas la peine d'appeler parce que c'est un truc comme ça. J'avoue, parfois j'écoute le Didier, bah, y a pas de mal, attends. C'est vous les boss, hein. Il y en a un paquet de pneus, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de pneus dans ce truc. J'adore cette musique, ça me rappelle les premières musiques de jeux d'ordinateur dans les années 80, tu sais, où tu avais 3-4 notes comme ça, des petits bip bip. Oui, j'ai vu une vidéo sympa sur l'explication de mise en scène de diorama sur un salon en Belgique. Ah, génial. Non, je m'occupe de mon potager. Ah bah génial. Il y a du boulot souvent dans le potager, au mois de février, comme ça. Prépare la terre, peut-être, ou tu prépares des semis en truc, tout ça. En Belgique, ça a l'air de fonctionner. Quoi, le coup du. Pour le pneu qui tourne, là? Ouais, c'est sûrement que ça marche pas en France, ça n'a pas été validé. Faut que je vienne fermer où en Belgique, quoi. Hein? Passe la frontière, hop, ça marche. Moi qui faisais beaucoup de véhicules avant de vous rejoindre, je dépolissais mes pneus avec ce petit bazar à moins de 10-0, made in. Une photo sur Discord. Ah. Que tu faisais ça avec quoi? Ah ça? Ah yes. Tu
Puis en haut, t'avais bricolé un truc pour que les pneus ils tiennent dessus, quoi. Et Christophe, toi, la vidéo, un japonais qui a monté la BMW HP4S et la BMW de chez Mang. Ah. Non, le téléphone. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Bah écoute, on va tester le prochain coup. Mais souvent, maintenant, c'est des robots, hein, ici. Hein, tu vois. Enfin, moi, là, encore, tu vois, tout à l'heure, là, c'était un robot. Ils prennent même plus à se faire chier, tu vois, c'est un ordinateur qui t'appelle. Hein. Y a rien de plus mal poli. Hein. Pas envie de parler avec un robot. Pourtant, bon, en France, on a la liste. Comment ils appellent ça, la liste rouge, là? C'est une liste où tu te mets à jour dessus sur le sur la poste ou je sais pas quoi, sur quel site, je ne me rappelle plus. Et les publicistes sont censés respecter cette. Ne pas appeler les numéros qui sont sur cette liste. Mais ils ne le font pas. C'est peut-être parce que vous mettrez un E entre le P et le L. Oh là là. Nous on dit des pneus. Vous dites comment en Belgique vous? Des pneus? C'est l'inverse, nous on dit tu crois qu'on dit pneus? Le gars coule un enduit de modelage sur le socle et tamise son flocage et ça tire directement quand l'enduit est frais. Vous trouvez ça astucieux? Ben, on l'a fait ça, Matt, hein, sur une de mes vidéos. C'est celle du Panzer 2 là, à la fin. On fait couler le plâtre là. Et quand c'est pas sec encore, on met plein de sable dessus. Puis on appuie un peu dessus. J'ai vu ça, c'est pas mal. Building the new tool P47D Thunderbolt à 48 by Mini Art. Oui, ça, je crois que je l'ai vu ça. C'est Dream, je reviens à la librairie. Colis bien reçu. Merci beaucoup. Bah, génial. Bloctel. Comment ça, Bloctel? Non, je crois que peut-être il y a des sociétés françaises qui respectent, mais les trois quarts des appels qu'on reçoit comme ça automatiquement, et puis même quand c'est des gens qui parlent, même quand c'est pas des robots, c'est à l'étranger, quoi. Donc peut-être que la loi s'applique pas et ils en profitent pour contourner ça, quoi. Tu vois? Moi, des fois, j'ai des gens, mais des fois, je le dis, hein. Mais putain, vous faites de la publicité, vous appelez en France, travaillez votre accent, je ne comprends absolument rien, madame, ce que vous dites. Absolument rien. Là, à chaque fois, c'est ah, excusez-moi, monsieur, je vais les péter. Et là, elle refait exactement la même chose. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. À chaque fois, je bloque le numéro sur mon téléphone, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus me rappeler, mais là aussi, hein, ils changent de numéro tous les trois jours. Quoi. Ouais, dans les systèmes. Comme là, tu vois, la voie automatique avec le truc pour les fenêtres, là, j'ai déjà entendu exactement la même chose plusieurs fois, donc je bloque à chaque fois. Donc ça veut dire qu'ils changent de numéro très très régulièrement. Je suis tombé sur une vidéo du montage de l'Aishi Sairan, à 62, j'ai terminé très sympa, car je vais attaquer le montage du mien. Par contre, ton anglais qui parle trop vite pour moi. Ah ouais. Enfin, des fois, visuellement, on peut voir des trucs... C'est vrai que c'est mieux quand on parle la langue, mais... Encore trois, les gars. Encore trois. Trois pneus. Après, on va pouvoir attaquer le montage de la remorque. Après s'être fait une bonne tisane. T'as reçu un autocollant. Ah oui, quand je t'envoie. Oui. Cool, t'avais commandé ça sur. Voilà. Pouf.
j'ai jamais eu autant de pneus à poncer. Depuis, il y en a 4 sur le petit camion. Bloctel, c'est pas mal, ça coûte rien et ça limite. Je sais même pas ce que c'est, ça. Quoi, c'est un truc pour... tu mets ton numéro et puis on t'appelle plus. Ah ouais, Julia, tu disais ça? Ma femme, elle adorait faire ça. Enfin, il faut dire à l'époque, ma femme est décédée en 2002. Donc avant 2002, il y avait aussi hein, des trucs comme ça, quand on avait les téléphones fixes. Là. C'était plus rare. Et ma femme, elle adorait faire des blagues comme ça. Elle adorait. Et je sais qu'à Ourcq, on avait un numéro qui devait ressembler un peu à un numéro, enfin, bref, à une boucherie. Et de temps en temps, bah, pas non plus toutes les semaines, hein, mais une ou deux fois par mois, tu avais une femme ou un homme qui appelait pour passer une commande à la boucherie. Et ma femme, elle prenait la commande. Ça la faisait rire. Et je me souviens quand j'entendais des fois... oui, alors monsieur, combien? 1 kilo, 1,2 kg? Oui, très bien. Et puis monsieur, qu'est-ce qu'il vous faut en plus? Ah, je me disais, mais t'exagères, le mec, il va... Tu vas aller à la boucherie, il va dire, bah alors allez où ma commande, je l'ai passée. Bloctel, c'est l'organisateur, je vais me renseigner ça, Bloctel. Ouais, c'est horrible ça, c'est le harcèlement téléphonique. Avant-dernier pneu. Ouais, Christophe, on va aller jeter un coup d'œil. T'habitais Château Moulinsard? Non. Oui, c'était comme Tatin, oui, il y avait des fois la boucherie. Non, là, c'était une petite boucherie rue de l'Ourcq. Dans le 11e. Dans le 19e, pardon. T'exagères parce que le mec. Imagine, t'as passé une commande le lundi, tu vas chercher le vendredi, t'as des clients, t'as des amis qui viennent manger le samedi. Puis le boucher dit, oh bah non, j'ai jamais reçu la commande. Ah oui, Xavier, ouais. Bah, Sylvain, il est débordé de boulot, là. Il va bien, hein, je vous avais passé 30 000 messages qu'il m'avait dit, hein. Donc, il va bien, hein, santé, tout ça, impeccable, hein, mais il a trop de boulot, quoi. Tout simplement, hein. Donc, il n'a plus de temps consacré à sa maquette, hein. Il a ouvert sa petite société, il travaille à son compte, donc, bah, maquette, laisse tomber. Hein. Voilà les gars. Et là, magie. Voilà, regardez. Zou. Voilà. Oh. Ça fait beaucoup de pneus. Hein. Regarde-moi ça. Quand la chérie vient, on change les pneus de la voiture le mois prochain. Ouh.
Ouais, c'est rigolo. Puis après, t'as l'espoir qu'ils disent, bon, bah, lui, il répond n'importe quoi, on l'appelle plus. Mais ça marche pas comme ça, généralement. Avec, après mon inscription à Bloctel, on est passé de 40-50 appels mois à un appel par trimestre. Ah ouais, ça vaut le coup, Martial. Je vais aller faire un tour tout à l'heure, tu vois. Parce que c'est vrai que ça me gonfle. Aujourd'hui, tu vois, ça fait 4 fois, là. Il y a des jours, j'ai rien, et puis il y a des jours, là, aujourd'hui... Alors, propeller, Didier, regarde le transport d'un Curtis P40. Waouh, avec l'aile comme ça posée dessus. Ah, ça, c'est aussi, c'est original, hein. Là, il n'y a pas une prise au vent. Bah, c'est bien attaché, tu me diras, ma fin. Attends, c'est ça la machine que tu utilises? Yes. Ouais, le truc de dongle pour les filles, là, c'est ça? Voilà, c'est parti pour la peinture. Yeah. Bah, tu vas te régaler là, Gérard, avec le zimérite que tu as fait, là, tout le boulot que tu as fait, ça va être top là-dessus. Hein. Bon, rangeons tout ça dans la petite boîte prévue à cet effet. Hop. Ah non, chez Speedy, là, bah ouais, là, Speedy sera content. Hein. Je vais lui faire changer 45 pneus. À gagner sa journée. Voilà, tous les pneus sont faits, yes, c'est nickel. On a fait. On va commencer la remorque. Ça va être, les gars? Ou alors on monte le... Ouais, mec. On peut faire le canon en métal sur le Charman. Même si on est sur une vidéo consacrée au truc, mais enfin, c'est pas bien grave. Pour les Belges, il y a l'équivalent de Bloctel, c'est DNCM, Do Not Call Me. Non, c'est pas pour les ongles, c'est rayon bricolage. Ah d'accord, parce que je sais que sur Amazon, il y a des trucs comme ça à 30-40 balles. C'est dans le rayon onglerie, tu vois. Avec elle au-dessus, il y aura un diorama à faire, un pont trop bas. Ah oui. Bon, ouais, on va commencer la remarque. Vous avez raison, c'est une vidéo de sur le... Donc, tout ça, ok, all right, tu vois, ça commence à l'étape 29. Voilà, le gars, il remonte ses manches. Allez, à l'attaque du montage. Ok, alors, on va étudier ça, je te fais rapido, ça. Un petit décal ici à passer plus tard, ouais, ça va être touché avec ce 7. Il y a déjà des petits trucs à mettre en dessous, là il y a déjà des vis, avec des barres en ferraille. Ok. M9, M10, scrap M. C'est le châssis de la semi-remorque, rondelle à ressort, plaque de renfort. Il faut d'abord enlever le tour, oui, bien sûr. Right. On va taguer aussi l'étape 30. Est-ce qu'il y a aussi des petites choses, des petites vis, 2 par 6 mm, 2 par 6 mm. Ok. Ok, 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 ok. Ouais, on va emprisonner dans les deux, les barres de fer, on va les emprisonner dans le... entre deux, comme une gaufre, quoi. Ok, d'accord. Pas de soucis. C'est parfait. C'est plutôt efficace. Eh ben, je vais y aller, là, appel direct, je vais aller faire un tour sur Bloctel. Il faut juste inscrire son numéro, c'est tout. Il faut payer un petit truc, ou c'est gratos, ou comment ça se passe?
déjà préparé les petites pièces. On va enlever les petits supports là. On va nettoyer déjà tout ça. Il y a déjà pas mal de nettoyage à faire. Alors, il y a deux petits plots qui ont été. Il y en a un qui est un peu abîmé, il est même parti là. J'espère que ça ne va pas gêner pour quelque chose. Il y avait un petit plot là, tu vois. Sur celui-là, il est parti. On verra plus tard, on va voir. Peut-être qu'il va falloir refaire un petit truc. Gratuit, j'ai mis le lien dessus. Non, tu peux pas mettre de lien, Martial, sur YouTube. Mais je taperai Blocktel, je trouvais le lien facilement, t'embête pas. Gratuit à renouveler tous les 3 ans. Ok. Ah oui, je vais faire ça juste après. Parce que ça me gonfle. Des fois, c'est les machins, les bagnoles, la Carglass. Zo, voilà. C'est un truc de l'État. Ah, oh, génial. Bon, écoute, ok. On va faire ça. Zo, zo, zo. Tout ça poubelle. On va nettoyer un peu ça. Voilà, il y a des petits trucs avec un... Voilà, je nettoie un petit peu les petits plots qu'on a enlevés, là, que ça soit nickel. Ces deux trucs là de chaque côté là, en tant que j'ai un peu abîmé, là, on va voir à quoi ça sert. Si c'est juste censé représenter des boulons, je les referai au moment voulu avec le petit potion die là. Allez, celui-là maintenant. Ma fille, elle est partie se faire tatouer. Un tatouage de plus. J'aime pas ça. Je suis pas content quand elle se fait des tatouages, mais bon.
Elle va faire des tigres, deux petits tigres. Alors elle va chez un pro là, ça lui coûte la peau des noisettes. Non, mais moi, ce que je préférerais, Didier, là, je vois que tu m'as mis un lien. Est-ce que ça existe? Ouais, tiens, j'en profite pour vous demander, parce que comme ça, il y a un d'entre vous qui va le savoir. Est-ce que ça existe un réducteur de vitesse? Là, par exemple, tu vois, parce que j'ai vu des mecs faire ça, je sais pas comment ils font. Tu vois, là, moi, si je mets à 5000. 5000 tours, 6000, 7000, 8000, 10000, 20000. Bon, 5000. Mais j'ai vu des mecs, 5000, et ils ont un autre bouton sur le boîtier à côté, tu sais, le boîtier machin comme ça, là. Enfin, c'est pas le même boîtier, mais ils peuvent encore baisser, et ça baisse encore. Ah, mais ma fille, elle fait des tatouages. Alors, elle a toujours été chez des tatoueurs pros, donc c'est des très 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 beaux tatouages. Hein. Et elle fait toujours sur des parties de son. Enfin, que ça ne peut pas se voir, quoi. Voilà. Elle ne veut pas que, tu vois, quand elle est là, par rapport à aller au boulot, qu'au boulot, on sache qu'elle a des tatouages. Donc, elle a des tatouages sur toutes ses jambes, sur son dos, une partie de son cul. Elle a un tatouage sur son. Ici, là, comment on dit, sur le côté, sur la côte, sur son, enfin, non, l'autre côté, sur son cœur. Et puis, donc, ça se voit pas quand elle est habillée, si tu veux. Bon, faut vraiment que tu la vois à la plage pour le savoir. C'est un transfo 12 volts, c'est un transfo Proxon 12 volts, yes. Yes, yes. Tu sais, c'est les petits transfo Proxon, là. Je vois trop le coup Didier fait pendant ses directs et maintenant une page de publicité. Et là, il nous fait la démo de la dernière serpillière avec ce rotatif. Bah ouais, j'aimerais bien ça. Parce que là, il y a plein de fois, toi, là, il y a le pneu, mais bon. Il y a plein de fois où j'aurais besoin que ça tourne vraiment tout doucement. Voilà, donc voilà le principe. On va mettre les deux barres en métal là-dedans, on va les visser, ça sert à maintenir le truc bien droit, quoi, hein, être sûr que ça va pas se. Et puis après, on repose ça là-dessus, on colle, et les deux barres de fer, on les verra plus parce que ça sera pris dans le en sandwich entre ces deux pièces-là. Okay. Donc là, il y a les numéros des pièces sur la notice, il y a tout ça. On va d'abord mettre les barres en métal, yes, avec des vis de 4 mm et des rondelles ressort. Right. Et après, le reste, c'est que du plastoc, bien évidemment. On colle là-dessus. Enfin, on visse là-dessus. Donc, on va sortir le petit tournevis et tout. Moi, j'ai branché le mien sur un vieux transfo Jouef pour train. Ah ! Il y a peut-être moyen de le réduire en 6 volts. Mais il n'y a aucun bouton. Hein. C'est un bloc. Il n'y a pas un bouton. On réduit. Enfin, je ne sais pas comment on réduit 12 volts en 6 volts. Moi. On ne me demande pas d'ouvrir le boîtier et puis de faire. Quand j'ai fait le mien en 99, tatouage, il m'a coûté 1000 francs. Aujourd'hui, je serai à 600, 700 euros. Oui, c'est le prix à peu près. Hein. Pour un gros tatouage, c'est le prix. Hein. Ma fille, elle s'est fait des fleurs de magnolia, là, tu sais. Qui démarrent en dessous de son bras, que sur le côté. Hein. En dessous de son bras, et ça va jusqu'à son genou. Donc, tu vois, il y a quand même. Ma fille, elle est grande, elle fait 1m84. Il y a quand même du boulot. Hein. Tu vois, très, très, très joli tatouage. Bah, c'est pas loin d'une balle, quoi. Avec variateur, nous dit Arnaud. Hein, ton jouet, là. La pédale, je l'ai, la pédale. Non, tu règles pas la puissance au pied, Martial. Ça s'allume. Tu éteins ou tu allumes, c'est tout. On-off. Il n'y a pas de réglage de puissance avec sur le truc Proxon.
Martial. Bah oui, c'est ça, mais ça, comment? Martial, c'est... Je regarde là, ce que tu as mis sur Discord là. C'est ton petit variateur, ça. Parce que ça m'embêterait d'en acheter un deuxième que pour avoir un truc qui va pas vite, quoi, tu vois. Si je pourrais trouver un transformateur 12 volts qui peut se baisser. Alors je vais mettre une musique un peu plus. Du K-pop. C'est quoi le K-pop? Ouais, let's go. Fais-lui des trucs à l'aéro, bah non. Elle va lui faire un avion, un camouflage allemand. Roxon, ouais, il faudrait que je tape. J'aurais voulu savoir si quelqu'un d'entre vous l'avait, et puis si ça fonctionnait bien, et puis, enfin, tu vois. Là, j'en ai un, mais je peux pas l'acheter si je suis pas sûr, quoi. Tu vois, regarde. Proxon, 29 transfo micromote, 38 balles, bon. Tu vois, il y a le petit rotatif là quand même. Là, c'est la même prise, on dirait, donc c'est bon. Tu vois, mais est-ce que. Oh, mais qu'est-ce que tu as, toi? Ça, c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie. C'est coincé le truc, t'as vu? Réglage électronique du régime. Vous avez aussi la possibilité de régler précisément le régime des appareils que vous connectez. Ça, j'aurais voulu savoir si quelqu'un l'a déjà et que si ça fonctionne vraiment, quoi. Je peux pas mettre 30, 40 balles et puis que ça fonctionne pas au final, quoi. Après, il y en a un plus gros ici, tu vois là, le transformateur, je sais pas quoi là. Là aussi avec le bouton, avec le machin. Voilà. J'aurais voulu avoir plus d'infos, on ne sait jamais si quelqu'un de vous l'utilise. Tu prends la petite personne. Ouais, mais justement, Merlin, j'ai pas envie d'avoir tu vois, une perceuse pour faire ci, une perceuse pour faire ça, une perceuse pour tout. J'ai ma super proxon là, c'est du super matos. Faut juste que je trouve un truc pour passer la vitesse. Si tu veux. À quelle vitesse tu veux tourner en midi? Ben je sais pas, 1000, 2000, 3000, 2000 peut-être. Là la midi c'est 5000 moi où je suis. Pop, ça va quoi, j'ai pas 17 ans. Okay. Alors bon, un truc un truc qui pète un peu du bois quoi. Un truc d'homme quoi. Voilà. La musique est assurée un peu plus tard. Moi je l'ai, mais il manque une mini ponceuse. On peut faire une vidéo sur Discord, et ben, si elle est pas très longue, si elle est pas très grosse quoi, je veux dire. T'as mis une photo sur Discord? Ah oui, mais là, c'est toi qui l'as fait ça, Didier? C'est toi qui l'as bricolé, Didier?
dit qu'il met de la capote. Mais je sais pas ce que c'était de la capote, mais c'est pour les ados, ça. C'est pour les petits ados japonais, là. Non, c'est ça. Alors, je prépare une petite boîte avant pour mettre ça, parce que je n'aime pas... ça traîne dans la boîte, je sais pas quoi. On va utiliser ça, tu vois, je garde toujours mes petites boîtes là, tu vois, je fais bien. Hein. Ma fille, elle se moque de moi à chaque fois. Ouais, tu gardes toujours tous tes trucs. Ouais, mais regarde, regarde. Voilà. Voilà. Je suis sûr de ne pas perdre ça. Non, c'est issu d'une vidéo de Plasmo, il explique ce qu'il a fait. Ah ouais, non, mais je suis pas. Moi, je suis pas amateur de trucs comme ça. Quoi. Tu vois ? De bricolage, machin, alors que j'y connais que dalle. Hein, mais sur en électronique, c'est vraiment. Je suis vraiment, tu vois, nul. Quoi. Donc, pour ouvrir le boîtier, le transformer et tout, c'est pas du tout mon truc. Coréen. Ah, pour les Japonais, c'est la J-pop. Eh ben voilà. Bon, alors, il faut sortir des vis là de. Il faut sortir 1, 2, 3, 4, de 2 fois 4 mm. Bon, 4 mm de long. Alors, 4 mm en longueur. Eh bien, ça se coupe, c'est nos problèmes. Donc, ceux-là, non, c'est les. Je donne pour 4 par 1. 2. C'est pareil. 3. Ça va, il n'y a pas beaucoup de vis. Et ça, c'est des petits. Par contre, ils n'ont pas mis le petit tournevis. Ils mettent toujours d'habitude le petit tournevis. Hein. Vous savez, le fameux petit tournevis Tamiya. Et ben là, non, ils n'ont pas mis. Donc, on va trouver un autre truc. Je crois que j'en ai un quelque part. Dans mon truc rotatif, là. On va regarder ça. Allez, Steve! J'aime bien mettre du chiptune. Ah ben, j'ai pas ça dans ma playlist, moi, des trucs. Chiptune. Alors, attends. Je sais que j'avais. Hein. Pardon. Bon, alors, tournevis. Ah, peut-être dans mes petits tiroirs là-bas. Vérifions. Bon les gars, je vous propose une pause, on se fait une petite pause, on fait la tisane. Et pendant que le hot chauffe, je vais prendre mon petit tournevis électrique là. Là, ça va aller très bien. Ok. Regarde la tisane, bah oui, Wolf, on y va. Sur Discord, j'ai posté le lien avec variateur. Mowgli, yes. Let's go. Papa, je coupe la musique avant. Oh les musiciens, la pause s'il vous plaît. Voilà, très bien. Alors. Attends. Ah ben le son il passe pas, je sais pas s'il passe.
Yes. Ok. Et puis tu peux réguler avec ça aussi. Ouais, ça c'est le gros truc, ça à 70 balles, ça. Ok. Merci Mougli. Merci beaucoup. Top. Génial. Bah, allez-y les musiciens, vous pouvez vous y remettre, oui, bien sûr. Ok Julien, à plus. Je veux rester avec madame alors même que je n'ai rien à faire pardonner. Bah, c'était pas hier le resto, mon binoute. C'était hier la Saint-Valentin. T'as un jour de retard. Bon allez, je vais faire la tisane les gars, à tout de suite. Recoucou. Aujourd'hui c'est la Saint-Claude. Bon, ok. Alors j'ai tournevis là, on va voir si ça fonctionne, mais je pense que oui. Allez ma jeunesse, on y va. Alors comment on fait ça?
veuve. Bulma, question, quelqu'un aurait-il un aéro Big Air Cobra? Mais écoute, le Nick Air Cobra là, Bulma. Environ 120. Ok. Et t'as un autre héros déjà, Bulma, ou t'as que... T'as déjà un autre héros, Bulma ? Alors, la grappe M. Et comment, tata. Ça compte ça, Bulma, hein? Qu'est-ce que t'as comme, comme premier aéro? Alors, M10. Tout à coller là-dessus, je vous conseille aussi de barrer au fur et à mesure. Pour rien oublier.
Voilà, Bulma, il a décroché. Hein. Alors, hop, 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 comme ça plutôt. Okay. M12. Et puis le milieu, c'est M36. Voilà. Ouais, Sylvain Marie, c'est ce que je voulais dire à Bulma. S'il a une évolution, un Affinity, faut qu'il reste dans la gamme, parce que, toi, ils prennent par exemple le dernier Ultra, là. Tu vois, l'Ultra de chez Herbert Infantec. Parce que tout est interchangeable, quoi. Tu vois, les joints, les machins, les ci, les là. Voilà, hop, et là on fait où ça ici là? Ok. La gamme des Herbert Instant Deck et des projets pour ma bourse, bah écoute. Jean-Pierre, c'est toi qui disais que tu avais un truc à 120 là, 120 euros ton Air Cobra. Le Ultra Charger Instantback, c'est 90 euros. Hein. Et l'évolution avec que une aiguille 04, c'est 180, je crois, 180. Salut Schnaps, tu vas bien Minute? Elle était bonne la mousseline? J'ai un Air Cobra au cas de suicide de la choisine.
Wolf, Didier, je pense que tu as déjà eu la question, mais tes tisanes, c'est du vrac ou acheter dans un magasin bio ou autre? C'est dans un magasin bio. Tu achètes que des tisanes bio. Elles sont filtrées un peu plus, avec un peu plus d'attention. Gérald, ça y est, rentré dans mon canapé. Dis donc, Mouni Schnapp, tu me quittes plus qu'un million. Je dors avec. Je le mets sur ma table de nuit le soir. Je m'endors en le regardant. Oui, bonne et Bourratti, au final, c'était pas la meilleure des trois. Ah. Voilà, donc ça, on a fait la première étape. Ouais, on va faire la deuxième petite étape. L'étape 29. Alors, je coche au fur et à mesure. Ah, j'avais M18 et M19 aussi, que j'avais pas vu. Hop. Ça, c'est la M19. On va voir. Il va où alors? Comme ça, right? Ah mais Bulma, t'as quoi comme premier aérographe? Tu m'as dit que t'en avais déjà un, évidemment, mais c'est lequel? Infinity CR+, parce que, tu vois, c'est bien de prendre dans la même gamme, tu vois, parce que si tu prends, par exemple, le dernier, le nouveau, là, Ultra, de chez Harder & Stendek, tu vas pouvoir changer, avec ton Infinity, tu vas pouvoir utiliser les mêmes joints, les mêmes aiguilles, les mêmes, enfin, tu vois, c'est, l'intérieur, c'est le même truc. Tu n'auras pas besoin d'avoir des joints en plus, ou des machins en plus, ou des, c'est la même, et il coûte 90 balles, je crois, le dernier Ultra, là. Je l'ai là, hein, je l'ai montré la dernière fois en vidéo. Faut juste que je fasse un test, mais j'attends qu'il y a du remblai chez Passion qu'ils ont du stock. Voilà. Allez, on va toujours faire les autres. M25. Après les tapis. Il trop de pièces, trop différentes sinon. Ouais, oui, oui. Après, bon, si tu veux te faire plaisir et que tu aimes bien les aéros, tout ça, un petit Terre Cobra, why not, hein, t'as les moyens. Mais c'est plus logique de prendre toujours dans la même gamme parce que tu as comme ça, pour l'histoire de pièces, de joints et tout, t'as tout dans le même truc. Alors après, tu fais comme ça. Je vais te montrer Bulma si tu veux. Mais je sais pas si ils sont en rupture là. Ils vont en recevoir très bientôt. Laisse-moi coller cette pièce et puis je te montre.
Voilà. Tiens, regarde, c'est celui-là. Voilà. Tu vois, Made in Germany, Ultra, Harder & Steinbeck. Tu vois, c'est le nouveau 2024. Et voilà, tu vois. Et là, tu as un petit. C'est ça la nouveauté. Tu vois, tu peux régler la buse, tu sais. Là, tu vas à fond. Tu vois. Et puis là, tu vois, c'est marqué pour le bass prime, donc le pas du primer. Là, c'est le plus 3. Tu vois, il va un tout petit peu plus loin. Tu vois. Démontage hyper fastoche, hein, c'est Harder & Steinbeck. Hein, tu vois. Les aiguilles, les machins sont compatibles et tout. T'as les petits trucs là, tu vois, hop. Nettoyage aussi, hein, il se nettoie super bien. Hein. Voilà. C'est une très très belle. Pour un premier aéro, c'est top ça. Si tu sais être patient, enfin tu veux être patient un tout petit peu, dès qu'il va y avoir du stock. Une revue, tu peux le commander, il y aura sûrement une petite promo, enfin, tu vois. Bah, t'en as besoin tout de suite, hein, tu vois, si t'as besoin tout de suite, commande-le ailleurs, hein, mais... Il y aura sûrement une petite, un petit coup de promo, tu vois, pas énorme, mais il y aura un petit truc. Bon, après, les grappes J, je vais demander, tout à l'heure, je vais sortir mon truc, je vais demander si jamais il me donne une date. Voilà, je lui pose la question, il va me répondre là, en lui-même, enfin bref, je tiendrai au jus de Bulma. Nouvelle évolution, je l'ai top, je l'avais commandé en précommande directement chez Harder. Julien, bah oui, d'autant plus je te dis qu'il va être à 100 balles. Là. Attends un peu quand il y aura la petite promo, là, peut-être que tu pourras te faire un petit plaisir, quoi. Alors, je cherche les crabes Jim. Je les ai, les crabes Jim. Moi j'aime bien celle-là, ça me plaît moi ça, c'est calme. Je t'en prie Bulma. Alors colon J2. Ça va montrer, elle dit lève-toi feignasse. Assis depuis trop longtemps. Bouge tes fesses.
Salut le Québécois. Voilà, je travaille sur des plus petites pièces qui vont se poser tout le long là. Et après on va pouvoir refermer un sandwich. On va faire ça déjà aujourd'hui, ça va être bien. J9, deux pièces. Alright. Attention, l'aiguille, c'est du 145. Ouais, il y aura en plusieurs, ça va être chaud, il va pas. Ouais, je vais réorganiser mon atelier pour refaire des vidéos classiques. Et je ferai un ou deux directs par semaine. C'est vrai que ça s'épuise quoi, à force, tu vois, les gens sont de moins en moins intéressés par les directs. Je vois là, je le vois dans les statistiques là. Après, je comprends, hein, c'est pas un reproche. Hein, je comprends. Hop. C'est beaucoup de travail. Oui, Jack, ben oui. Non, mais je vous le dis, c'est pas du tout un reproche, les copains. Prenez pas ça par vous. Tu vois? C'est normal, hein, tu vois? En plus, je fais des très très longs directs. Donc, à part ceux qui sont à la retraite ou en maladie en ce moment, tous les autres sont au travail. Et même quand tu es au travail, tu peux passer un après-midi, faire un petit coucou. Ça ne veut pas dire que tu vas passer tous les jours et une minute, tu bosses, quoi. Replay le soir, mais c'est moins bien. Ouais, bah oui. Oui, donc, tu vois, on va retourner aux vidéos... qu'on faisait avant là. Il y aurait moins, évidemment. Tu vois, des vidéos comme je faisais les montages avant, voilà, il y aura une deux semaines. Et puis un week-end, un direct la semaine pour qu'on garde contact, un direct le week-end. Et puis voilà. Et puis au quotidien, bah, le Discord, oui, le Discord. On peut discuter un peu. Peut-être que des tu vois, quand je maquette l'après-midi comme ça, moi ça me dérange pas d'allumer la vidéo et puis discuter avec des gens contraires, tu vois, c'est sympathique. Peut-être que là je peux le faire sur Discord, tu sais, sur les salons Discord là. L'inconvénient, c'est que c'est pas enregistré tout ça, donc il n'y aura pas de replay, celui qui rate, rate, voilà. Tu vois? Oui, mais j'ai un gars là, tu sais, Gérald, j'ai un gars que je paye pas très cher d'ailleurs, je vous donnerai un pourcentage sur la vidéo. Tu vois, qui est un étudiant là. Ici, là, aux Beaux-Arts, enfin, au Gobelin, à Paris. Bon, on peut faire une messe, enfin, tu vois, enfin, une messe. Un coup samedi après-midi, un coup dimanche matin, un coup dimanche après-midi. Faut trouver juste équilibre, c'est ça qui est difficile. Oui, Wolf, tu as raison, mais il y a très peu de gens qui regardent tout. Hein. Tu vois, c'est trop lent. C'est trop, trop lent. T'imagines si tu veux monter celui-là, par exemple, tu vois, et puis tu dis, tiens, je vais regarder toutes tes vidéos de Didier. Tu vas avoir 10 vidéos de 4 heures, ça fait 40 heures de vidéos, ça fait une semaine de taf, quoi.
Et dans la vidéo, il y aura plein de trucs qui ne t'intéresseront pas, parce qu'il y a plein de fois où on discute, on va sur Discord, on parle de trucs. Voilà. Faut trouver un juste milieu, tu vois, un direct, un bon direct là, le week-end. On va changer les dates en plus, enfin, tu vois, pas toujours le samedi après-midi, pas toujours le dimanche matin, pour que tout le monde soit satisfait. Tu vois ? Un autre dans la semaine, genre le mercredi, tu vois, parce que le mercredi, il y en a qui ne bossent pas, et puis il y a des tas de gens qui sont à la retraite, tout ça, comme moi, maladie, ou je sais pas quoi, donc tu vois, un deuxième direct. Et puis le reste, après, des vidéos comme on faisait avant, quoi, comme le Corsair, ou... Tu vois, des vidéos de 20 minutes, où j'explique tout, où je machin, aussi, là. Vous me poserez des questions sur ces vidéos pendant les directs, ou sur les commentaires. La dernière petite pièce. Voilà. Donc là, étape 29 terminée. Tout est fait. Yes. Et maintenant, on passe à l'étape. En ouvre, je regarde ce qu'il y a à faire. Charnière métallique. Ah oui, attends. Je regarde tous les petits trucs. Hein. Axe. Charnière métallique. Right, bise de 2-6, bise de 2-6. Right. Couper si nécessaire. Ah voilà, j'avais vu un petit truc là-dessus. J'avais dit, tiens, est-ce qu'il faut l'enlever ça ou pas? Ou est-ce que toi, tu vas devoir couper si nécessaire? Voilà, tu vois, c'est les petites pointes là. Pour la technique de moulage, tu vois. J'aime bien cette musique. Voilà, donc ça va venir grosso merdio, hein, comme ça. Voilà. On va revisser en dessous ici des vis, tu vois. Et là derrière, il y a tout un système qui se prend là-dedans, là. Mais je vais vérifier avant que ça, je puisse les refaire. Tu vois ? Ah, ça va être costaud, ça va pas bouger là, hein, c'est sûr. Hein. Top, top, top. Alors... Oui, Wolf, mais ça, quand je fais des vidéos classiques, tu sais, je le dis aussi quand je rencontre un problème. C'est ça le but de mes vidéos. Tu vois ? En général, je maquette le dimanche après-midi, samedi, c'est à la bourre pour les courses. Ouais, ben oui, puis il y en a d'autres qui adorent le samedi après-midi, il y en a d'autres qui préfèrent le dimanche matin, et on changera, tu vois, pour que tout le monde soit à peu près... Ouais, Gérald, exactement. Durer le top 50.
Ah, le nouvel évolution, Sylvain, tu te l'as offert? Trop bien. Ouais, voilà, tu vois, ils ont changé des petits trucs, ils ont un peu modernisé le truc. Enfin, modernisé peut-être pas, mais tu vois, ça a une autre petite gueule, quoi. Tu vois, la bague de rotation, elle est d'une autre couleur. Même dans l'évolution CR+, il y a le petit trou comme sur la Fenity, là, où on voit l'intérieur pour régler, là. Pas mal. C'est une belle machine, ça, hein. C'est une très très belle machine, hein. L'évolution... Le Québécois, je débute cette maquette à l'instant. Comment faisiez-vous pour peindre les bandes noires et jaunes? T'as des bandes noires et jaunes. Ah oui, là, ah oui, c'est noir entouré de jaune. Ouh. Eh bien, par masquage, là, le premier masquage. Tu vois, sur la bande, sur l'entièreté de la bande. Et je pulvériserai un peu de blanc et après un peu de jaune, surtout sur les côtés, tu vois, un peu de jaune. Je laisse sécher, je remasque à 1 mm là où, enfin tu vois la taille, tu calculeras, mais sur le côté et après tout l'intérieur en noir. Bon, je ferai comme ça, hein. Ah, c'est vraiment bande noire jaune, ouais, c'est étonnant, ça, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est une démo particulière. Bon, on va arrêter là, les gars. Donc là, on était jusqu'à l'étape 29. Alors, maintenant, ça, la peinture, je vais le faire en vidéo classique. Hein. Je vais réorganiser un peu mon truc, mon atelier, là, pour que ça soit le cas. Parce qu'avec ma caméra 4K, je vais pouvoir la positionner genre ici, tu vois, enfin, tu vois, je peux la bouger. Quand je suis pas en direct, je peux bouger ma caméra, faire plein de petites prises, et après, je choisis les meilleures, etc., je fais mon texte. Enfin, c'est plus facile pour les photos, pour les vidéos, hein. Et puis, comme on a dit, un direct de personnel. Hein, pour trouver le juste équilibre pour que tout le monde soit satisfait, et puis qu'on ait une bonne relation, qu'on puisse discuter entre potes. En tout cas, pour Discord, je serai là tout le temps, évidemment. De temps en temps, ouais, pourquoi pas faire des directs comme on a fait là aujourd'hui, mais que sur Discord, quoi. Pas de replay, mais ceux qui sont en train de maqueter, ils peuvent me rejoindre, ou on peut discuter, ou des choses comme ça. Ça peut être cool aussi, ça. Oups. Bon, vous voyez, là, quand même, ça va quand même être une grosse bataille, là, hein, parce que ça va, en gros... Tac, tac, tac. Voilà. Tu vois, avec dessus un avion. Balou, je fais des maquettes à l'envers. Au lieu de monter, je démonte. Je suis en train de décortiquer un dormeur. Décortique un dormeur. C'est correcteur orthographique. Ah bah Julien, j'avais pas vu que tu avais mis une petite photo de ton Stuart. Ah bah voilà. Toi aussi, t'as mis le petit coupe E et tout. Salut Arnaud. Bah t'arrives à la fin, on était en train de se dire au revoir. Chouette Arnaud. Arnaud, pardon, Julien. Sympa ton Stuart. Là. Bon, les copains. Ouais, ça va être original avec l'avion. Ça va être très sympa. On a le temps de faire ça. On a le temps. On est... Je vais pas dire en vacances. Enfin, bon. Tant que j'ai pas repris le boulot. Toujours pas de news d'ailleurs, hein. Aucune news. Hein. Mes payes, elles tombent, mes fiches de paye, elles arrivent à la maison. Tout. Bon, toujours à 50%, mais. Aucune news.
De temps en temps, je les relance, hein, je leur dis, bah alors, oui, vous inquiétez pas, monsieur Lefebvre. Hein. On s'occupe de tout. Bon, ok, ok. J'ai un pote qui m'a appelé la semaine dernière, je crois, souvent. Il m'a dit, ils te referont jamais bosser. Bon, je sais pas s'il a raison. Ils vont te laisser comme ça jusqu'à la retraite. Ouais, merci à vous les gars, merci d'être passés. Et on se retrouve très 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 bientôt. Déjà ce week-end, c'est sûr, il y aura un samedi. Ah, peut-être pas samedi, peut-être qu'on fera ça dimanche matin. Parce que samedi, j'ai les copains qui passent à la maison. Alors je peux difficilement faire un direct tout en recevant mes potes. Bonne fin de journée à vous, les gars. Hein, prenez soin de vous, faites attention à tout. Chérissez ceux que vous aimez. Faites des petits cadeaux, des petits plaisirs. Et pas qu'à la Saint-Valentin. Ok. Allez, salut les gars. Ciao, ciao, ciao. Je vous fais des bisous. A plus, les copains.